la ville devient intelligente. Et la stratégie Alliance Global Intelligent Cities cible les entreprises innovantes qui participent à l'essor de ces villes intelligentes. Un marché qui pourrait atteindre plus de 3000 milliards de dollars à l'horizon 2025. Demain, quoi ? Mais dès aujourd'hui, prenons l'exemple de Barcelone qui a installé des capteurs sous le bitume de ses places de parking pour connaître leur occupation en temps réel. Pas besoin de tourner des heures pour trouver une place et celles-ci peuvent se réserver à l'avance, donc plus de parkmètres non plus. Wouhou ! Eh, ça fait plaisir ! Attention, la place est toujours payante, hein, mais on paie avec son smartphone. Et des capteurs, ils en ont mis partout ! Écoulement de pluie pour éviter d'arroser quand c'est pas nécessaire, ou sur les poubelles pour optimiser les trajets des éboueurs. Profitant de l'essor de la technologie, comme de l'intelligence artificielle, les villes améliorent donc leur infrastructure de gestion des ressources et optimisent aussi les transports pour une meilleure mobilité au sein de la ville. Bon, après, si t'arrives encore en retard à ton rendez-vous, là, tu peux t'en prendre qu'à toi. On dénombre aujourd'hui plus de 500 projets de villes intelligentes à l'échelle mondiale. Et au cours de la prochaine décennie, les villes devraient générer 85% de la croissance mondiale. La stratégie Alliance Global Intelligent Cities permet de profiter de cette méga-tendance en vous proposant plusieurs classes d'actifs, des actions et des obligations génératrices de rendement, dans les entreprises les plus innovantes. Cette stratégie multiclasse d'actifs permet donc une volatilité moindre qu'un fonds pure action, tout en diversifiant votre investissement. Un investissement qui permet aussi de répondre aux défis du changement climatique. Barcelone et ses capteurs, c'est 42,5 millions d'euros en consommation d'eau qui ont été économisés. Ce n'est plus la panique sur les boulevards quand on arrive en ville.